Au bout de 4 mois depuis des nouvelles mises en place au Congrès national congolais, le nouveau président fédéral du Haut-Katanga 1, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, et son secrétaire fédéral, Mathieu Kasunka Wabanza, ont doté les partis d'un nouveau siège à Lubumbashi sur l'avenue du 30 juin, coin Roué. Son ouverture aux activités politiques est intervenue dimanche 30 août 2020 lors d'une double cérémonie marquant l'inauguration et la présentation du plan d'action du comité fédéral, cela dans une ambiance hors du commun. Cérémonie qui a connu la présence de l'interfédéral du Haut-Katanga 1, 2 et Lualaba, Gabriel Zeng, du fédéral du CNT Haut-Katanga 2, René Banzakapia, de la délégation venue du Lualaba ainsi que des autres hauts cadres de partis politiques membres du regroupement politique AA Barpetita et du FCC. Cet acte est la concrétisation de la promesse faite aux camarades du CNC Haut-Katanga 1 par leur président fédéral Jean-Claude Kamfwa Kimimba les jours de sa prise officielle de ses fonctions. Introduit par le secrétaire fédéral du CNC Haut-Katanga 1, l'interfédéral Gabriel Zeng a dans son mot des circonstances recommandé à tous de s'illustrer par le travail pour garantir l'avenir meilleur du parti dans les Haut-Katanga entiers. Nous devons travailler dans l'unité, nous devons travailler dans l'amour, nous devons travailler dans la discipline. Sans cela, il ne faudrait pas que nous puissions nous attendre à de grands résultats. Prenant la parole à son tour, l'homme le plus heureux, Kamfwa Kimimba Jean-Claude, a rassuré à tous que ce nouveau siège ne sera jamais un lieu touristique, car il a été obtenu dans l'ultime but de permettre au parti cher à l'autorité morale Pius Mwabilumba Yomukala de s'organiser stratégiquement afin d'avoir un bon rendement d'ici 2023. Le présent siège se veut donc être notre mère nourricière. Notre maison commune où règne l'altruisme, la solidarité, le vivre ensemble, la tolérance mutuelle, la convivialité et l'esprit franc des camaraderies. Par la même occasion, les comités fédéral et celui urbain étaient présentés à l'assistance après la lecture des décisions les nommant par le secrétaire fédéral Mathieu Kasunka. Le moment idéal était venu, celui de la coupure du ruban symbolique, signe d'inaugurer le siège, sous les acclamations de l'assistance, suivie de la visite guidée des bureaux.